vous aime. Ouais, je pensais pas. Fait que peut-être que les gagnants pourraient payer des sushis à l'autre. Salut tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi, c'est Noémie. Et moi, Chani. Et là, vous avez vu, on a des belles invitées encore une fois sur notre chaîne YouTube. Donc, on a Cindy, Justie et Laura Gabrielle. Ouais! Donc, aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui est super simple. Donc, c'est BFF contre BFF. Donc, ça va être simplement de se poser des questions et moi, je dois répondre à la place de Noémie. Et puis, ben, on doit avoir des bonnes réponses. On va voir si moi, je connais bien Cindy. Puis, sur ma chaîne, on va faire l'inverse. Exactement! Donc, vous attendez, on y va! On y va! Donc, juste pour que ce soit fair, il y a Alex Labbé qui est juste derrière la caméra, qui va nous aider, qui va nous poser des questions pour pas qu'on triche dans le fond, tu sais. Fait que, c'est ça. Ma première relation sérieuse. Le quoi? Nom, le nom? Le nom. De la personne? Ouais. Mettez pas le nom de famille. Non, je sais pas. Ben non, je mettrai pas le nom de famille. Quoi, ok, vous êtes prêtes? Ouais. Les filles, les réponses. Jacob. Nicolas. Ok. Oui, ça c'est pas mal. Joël d'Arcy. Ah! C'est vrai? Quoi, ouais. Comment ça s'écrit Nicolas? Il y a un H après le C. Mais ça dépend, il y en a qui le mettent. Mais on l'entend pas, je vois pas. J'ai entendu parler d'un joueur d'hockey, mais j'ai jamais su le nom. Fait que joueur d'hockey X. Ben. Ah, ouais. Est-ce qu'il était joueur d'hockey? C'est pas accepté. Non, mais c'est fair. Ouais, je te le donne. Ouais, ah, oh, ouais, on le donne! Ben non. Mais non, il y a encore un nom. Le nom de ma mère. Ben, de ma mère. Ouais, c'est ça, de ta mère. De ma mère. Oh my god. J'ai tout à ma mère, j'ai jamais le nom de ma mère. Fait que je sais pas si tu vas l'avoir. Noémie, le nom de ta mère? Joanne. C'est Nancy. Way to go! T'as bien écrit en plus! Ah, mais j'étais stressée. On les salue. On les salue. Tout à coup. On les salue. Bonjour Joanne. Bonjour Joanne. Je connais ton nom. Et Nancy. Ouais. Bonjour. Nancy. C'est vrai que Nancy, ça te va bien comme nom. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que c'est maintenant tu fais comme. Ah ouais, elle, sa mère, c'est Josée. Ah, ok. Genre, ta mère, elle fait une Josée ou une. Mais c'est vrai que ça ressemble. Un peu, oui. Ah non, mais ça, il y a des lunettes. C'est 7 ans de malheur. Non, c'est chiant. Ah, mais il y a des lunettes. Oh, c'est pas grave. Mais elles sont correctes, je pense. Faut rien acheter 3 paires. La destination de voyage de mes rêves. Ah, ça, j'en parle quand même. T'es mieux de l'avoir. Je pense que même moi, je vais l'avoir. C'est comme la seule destination que j'irai vraiment toute seule. Regarde du loup. Même moi, je sais pas. Ok, je vais dire ça. Les Caraïbes. L'Australie. Ah. Ouais, les gars, ouais. Porto Rico. Ah, mais super. Porto, c'est les Caraïbes. C'est Puerto Rico. Ma fille, elle aime l'alcool. Porto. Il y a Puerto Rico puis il y a Porto Rico. Ah, ouais. Puerto Rico. Puerto Rico. Mais c'est fair, c'est dans les Caraïbes. Ouais. C'est-tu vrai? I don't know. Oui. J'ai oublié. Alex, c'est dans les Caraïbes. Mais regardez, je suis dessus. C'est l'île des Caraïbes. Ouais! Yeah! À date, on a un tour du château rendu. Oui! Oui! Ah ouais, bravo! Mais je suis vraiment stressée. Je te dis. Non, mais toi, t'es meilleure que moi. Ah, j'ai une écoute, là, mais comme. J'avoue que. Moi. Toi, tu me connais en profondeur, les petits détails, peut-être que tu les connais. Ouais. De qui es-tu le plus proche dans ta famille? Ah! Ok, ben ouais. Mais ça peut. Là, c'est pas obligé de le nom, ça peut être, mettons, ma tante, là, vraiment. Ok. Ok, j'essaye quelque chose. Noémie? Ma sœur! Ah oui, c'est sûr. Moi, c'est Chani, ma cousine, qui est aussi ma coloc. Oh! Oui, les gros! Moi, mais ça aurait pu être genre ta mère. Ouais. Ça fait que j'ai pas espéré. Je sais pas, Chani, elle sait tout. Maman a des choses que j'aime. S'il fallait que tu manges qu'une seule chose pendant un mois, ça serait quoi? Ah! Easy breeze. Non, mais c'est pas. On en a parlé en plus, c'est quand même difficile. Quand on est sorti, on a parlé en plus de bouffe. Oui. Je sais pas si ça va. Ça. Non, mais c'est parce qu'il y a plus qu'une chose, ma belle. Manger. Noémie. Des ramen. Coin. Sushi. Yes!
J'ai dit sushi, mais j'hésitais, ramène au sushi. Je viens de dire qu'on en a parlé au warehouse en plus. C'est soit ouais. Comment j'y ramène ou des Pokéballs. Fait que là, regarde, moi je te poursuis. Écoute. Et toi, mais tu fais plus commander du McDo. Ouais. Tu mangerais pendant un mois d'affilée. Non. Sushi, là, à volonté, là. Mmh, ouais, c'est fucking bon. Ton film préféré? J'écoute jamais la télé. Attendez, je vais juste penser. Ouais, ok, moi-même, ma réponse. Mais moi, je l'ai en tête. C'est un film. Est-ce que t'as écrit ça? Ben, le moins. Ok. J'ai vraiment écrit n'importe quoi. Ah oui, c'est Mais elle l'aura pas, mais les bronzés font du ski. Quoi? C'est quoi ça? C'est un film français, genre, qui date des années 80-90. Moi, c'est Interstellar parce que j'en ai parlé comme quand même gros. C'est ça? Ah oui! Ah ben, ouais! C'est le film préféré à mon chum, exact. On l'a écouté justement en voyage, Alex. On l'avait écouté en voyage, c'est pour ça. J'en avais parlé, que je l'avais écouté. Mais voyons, bisous! Hey! Let's go! On a du chemin à faire, ma petite. Combien d'enfants je veux? Là, Laura, c'est que je veux. Oh, mais j'aurais mis la précision, mais c'est correct. On va y aller pour ce que tu veux. Que je veux, ouais. Moi. Tu veux? Je connais qu'à la pancarte. Némi. Deux. Quatre. Tabarnak. Oh, j'ai failli. Ouais, on Ok, pourquoi le dessin? Parce que mon chum, il en veut deux, mais moi j'en veux quatre. Mais c'est ça, ce que j'aurais écrit, c'est Anne en veut quatre, mais elle va finir avec trois. Mais trois, c'est plausible aussi. Ton métier de rêve quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune. Il faut que je me branche. Quand j'étais jeune. L'affaire, c'est pas que c'est elle qui connaît pas mes réponses, c'est moi qui connais. Moi, c'est ça, c'est l'art de pas te connaître. Némi. Médecin légiste. Coin-coin. Ah. Coin-coin. Là, j'ai plein, mais policière. Coin-coin, t'as eu Mais ça, il est. Policière. Non, je savais vraiment pas, je suis allée pour le classique. Toi, on veut être connu quand on est Non, ça, c'est toi. Mais j'avais vu mes policières, chanteuses, genre. Mais non, moi, j'avais pas vu policière, là. Les chanteuses. Oh, les mailles! Je sais pas pourquoi, vétérinaire, il y a plein de choses que j'ai aimé. J'écoutais les vendredis policiers à Canadé avec mon grand-père quand j'avais 7 ans. Hein? Je suis capable. Oh non, moi je suis tellement peureuse. Impossible, je regarde ça. Ben voyons donc. Et pourquoi t'as pas fait ça? Elle est passée genre 20 ans d'études. Ah ok, ouais. Bon, on va devenir influenceur. Ta première job à vie? Laura, t'es mieux de savoir ça. Ah, mais t'en as eu genre 80 dans le coup. Ouais, je sais. Mais ma première. T'as fait une collab avec Saint-Hubert et t'es énumérée. Ouais. C'est quoi la première? Mon Dieu. Tiens, je crois que c'est la première. Némi? Ouais. Je coachais la gym. Coucou. Animatrice de camp de jour. Yeah! Merci. J'ai travaillé 5 ans chez Alice. C'est plausible. Mais avant, je Wow! Mais tu vois, c'était. Maudine! En fait, j'ai fait de la gym pendant 15 ans. J'ai été au sport études pendant 6 ans. Fait que tu sais, c'est genre, je suis une seule m'entraînée et j'allais coacher. Ouais. Ah, c'est cool, ça, mais ouais. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que tu fais si tu restes une journée à vivre? Tu peux pas dire en un mot qu'est-ce que tu fais, là? T'as besoin de plusieurs mots. Quelle est ton histoire de bras, c'est plus drôle? Hey, on est une soupe, là. Ouais. Ça va être selon toi ou selon moi? Selon moi, c'est drôle. Ok, je vais dire. J'en ai mis dans le commun. Sean connaît comment. En commun? Ouais. Mais qu'on était là les deux. De quoi de drôle? Okay. Mais c'est ta plus drôle? Non, c'est la tienne. Okay. Mais non! Je pas si drôle. Parce que moi, j'ai un souvenir de toi qui m'a raconté quelque chose, mais je sais pas. Je pense que je veux dire ça. Mais je pense que c'est pas une drôle. Ok, ouais. Mais moi, je trouve que ça a de l'air. Il y en a beaucoup, là. Non, je dis ce que moi, je trouve qu'on est ensemble. Pour l'instant, on est pas drôle. Noémie? Ben en fait, t'étais pas là, mais je l'ai appelé en FaceTime parce que je pleurais ma vie. Je riais, puis je pleurais. Puis là, je me suis cognée la tête à quelque part. Puis elle me dit, ah, mets-toi de la glace. Puis j'ai pris une bouteille de Febreze, genre, puis je me suis mis ça sur la tête. Non. Voilà. Hein? Ouais. C'est bien trop drôle. Fait que j'ai failli écrire ça. Ah! J'ai vraiment failli écrire ça. Finalement, j'ai décidé d'écrire quand on est allé avec LP à l'école privée, puis que tu t'es ramassé la tête dans la toilette solide. Ouais. Ouais. Oh my god. Je pense en comme 15 minutes, j'ai dû prendre les jeux de bain shot. Coucher dans la toilette de l'école privée et tout. Ouais. Coin, coin. Ok, j'ai plein d'histoires de brosse, mais on dirait que je voulais en mettre une avec toi qui m'est venue vraiment sur le coup. Fait que c'est sûr que t'as pas écrit ça.
Mais c'est la fois qu'on est allé à l'aire commune, puis là, après, on est revenu, puis il y avait comme des nuages. C'était vraiment drôle, ok? Tout le trajet pour revenir à l'appartement ici était mourant. Le rat, le pisser dans les buissons, il y a du monde qui passait. À un moment donné, il y a des gars en avant de nous qui voulaient traverser la rue en même temps que nous. Là, il y avait elle, puis moi. Puis là, j'étais comme tellement seule que j'ai dit, hey, regarde, c'est nos twins, si on était les gars, puis il y avait un Asiatique, un gars qui ressemblait. Là, on se rend ici, puis il y a comme des poubelles vides, puis je suis rentrée dans les poubelles, puis là, on faisait des boomerangs de moi qui sort de la poubelle. Là, je me mets à faire de la gym, là, la roue, puis tout ça. Puis là, mon chum arrive au même moment, comme je sais pas pourquoi, out of nowhere, il est comme, qu'est-ce que c'est? Puis là, on s'en allait à Miami. On a monté ici, puis elle s'est trompée de porte, elle est allée à l'autre appart, avec sa clé. Oh my god. Ça, ouais, c'était vraiment drôle. Être là, là. Wow. Mais qu'est-ce que t'as écrit? Mais c'est clairement pas ça que j'ai écrit. J'ai écrit Cindy qui vomit sur la porte des toilettes du bar. Quand t'étais jeune, ça t'est déjà arrivé. Sur la porte. Je vous dis, c'était malaisant. C'était un tout petit bar, là, vraiment, tu sais, de campagne. Ça s'appelait le Vestige. Puis j'étais tellement sûre, j'étais jeune dans ce temps-là, j'arrivais pas à me contrôler au niveau alcool. Puis je voulais rentrer dans les toilettes pour aller vomir aux toilettes, mais j'ai juste devant tout le monde, là, je vous dis, il y avait des tables de billard. Tu sais, une table de billard, une ou deux tables. C'est vraiment petit. Vomi sur toute la porte. Genre, tu mettons, tu un jet sur la porte. Non, c'est ça. Puis là, tout le monde te voit, là, t'es en dehors. En tout cas, si j'ai bien compris, on aurait eu 10 questions, puis ça finit 8 à 4. Wow! Pas si pire. Mais en vrai, pas si pire. Non. En fait, il y a une deuxième round pour que. Ouais, un deuxième round. Souvent, honnêtement, tu sais, il y avait une distance entre deux, puis tu disais l'autre, puis moi, je disais ça. Ouais. On se complète. On se complète. Good job! Ouais, bravo! Donc, c'est ce qui conclut notre vidéo, mais la partie 2 où est-ce que l'autre répond. Comment est-ce qu'on dit ça? Cindy va devenir mes réponses, puis Noémie va devenir celle de Jérémy, ça va être sur ma chaîne. On inverse dans le fond. Fait que ça va être sur la chaîne de Laura, donc il va falloir aller voir ça, parce que sinon, ben, tu connais pas qui a gagné ce même-là, tu vois. Hein? Fait que bye là! Bye!